Eh bien bonjour YouTube et bienvenue sur une nouvelle découverte, en tout cas pour moi. Vous l'avez vu dans le titre, hein, il s'agit de Hollow Knight, peut-être un jeu auquel vous avez joué, peut-être un jeu dont vous attendez la suite avec impatience, qui n'est toujours pas annoncé, enfin disons, il n'y a pas de date quoi, mais bref, Hollow Knight, donc un jeu très connu dans le 2D World. C'est pas clair, mais en tout cas c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué, un jeu exigeant, qui n'aide pas forcément, on sait pas forcément où il faut aller, on ne sait pas forcément comment combattre les boss, bref, exigeant, mais aussi très beau, on l'entend déjà rien qu'à la musique, et visuellement c'est très sympa aussi, j'ai déjà vu quelques images bien sûr, mais c'est tout, j'ai pas vu comment on jouait vraiment, j'ai pas vu les strats des boss, bref. On va découvrir ça ensemble, donc pour le moment on est plutôt sur un mood ne me dites rien, hein, mais je crois qu'on peut facilement être paumé dans ce jeu ou vraiment aller au mauvais endroit. Donc peut-être qu'il faudra me dire, c'est pas par là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Luminosité, on est good, je pense. Prononçons votre nom avec regret et fierté. Nos instincts primaires, vous avez su dompter. Nos âmes sauvages ont été rachetées. Un monde offert dont nous pouvions seulement rêver. Extrait de l'élégie d'Holonest par l'érudite Monomon. C'est comme ça qu'on prononce, hein. Et tu vois, là, on peut peut-être se mettre en plein écran. C'est parti. Très bien. Toujours regarder derrière soi. La monnaie. La monnaie. Un jeu signé Team Cherry. On peut pas faire des wall jump. Pas dash. Très bien. L'histoire du jeu est très complète, mais elle n'est pas forcément expliquée. C'est à toi de comprendre et de trouver des bribes d'histoire. Bah ça, vous pourrez me guider un petit peu, justement, quand on a quelque chose que je capte pas. Bon, visuellement, hein, c'est évidemment très 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 sympa. Évidemment, je regarde le chat. Je regardais si c'était fluide, parce que c'est pas forcément très très fluide. Il faut que vous me disiez, hein, parce que... Faut que ce soit parfait. Mon côté, il n'y a pas de souci. D'accord. Parce que, par exemple, quand on jouait à Inside, quand j'avais fait des tests, en fait, c'était pas si fluide que ça. Il fallait que je fasse une capture de fenêtre plutôt qu'une capture de jeu. J'ai quand même la sensation que c'est pas fluide parfaitement. Ah ça y est, je vais être chiant. Tchou, tchou,
Ça se contrôle très bien. Je peux tout casser. J'ai vraiment l'impression d'être dans les... dans les enfers. Oh là, attention, il y a des trucs qui tombent. Être supérieur, ces mots sont pour vous seul. Votre grande force vous marque parmi nous. Canalisez votre âme et vous accomplirez des exploits que d'autres ne peuvent que rêver. Je régénérerai l'âme en frappant des ennemis. Une fois que vous aurez accumulé suffisamment d'âme, maintenir B. Ah mais je joue à la manette PlayStation, c'est quoi B? C'est carré, non? Carré! Pas du tout. Rond! D'accord. Attends, attends! On a quand même pas mal de portée, hein. Je suis tombé. Faut que je teste un truc. Plein écran sans frontières. C'est quoi cette... C'est quoi cette association? Désolé, je regarde le retour, je fais mes tests. Je joue sur le retour, c'est insupportable. Bon, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose, je sais, ça va être chiant. Mais il faut que je teste. je suis désolé. Enfin non, mais bon. Ceci est un test, n'ayez pas peur. Ah, vous n'avez pas peur? Tellement pas peur que, en fait, ça marche pas. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Papillon. Ah, c'est des cœurs. J'ai des cœurs gris bleu. Des cœurs céruléens. Bon, est-ce que vous voyez une différence de fluidité là tout de suite ou est-ce que c'est exactement pareil que tout à l'heure? Pareil. Je remets comme avant au cas où. Et après j'arrête de vous emmerder. Et puis vous savez très bien que je vais encore vous emmerder pendant des heures. Et là le son c'est bon, vous êtes sûr? Très
Très bien. No diff, ok, très bien. Écoutez, je suis tombé dans un piège. Très bien. Dans ce cas... Merci Sunro pour ton prime. C'était une bonne idée de venir ici. Est-ce que... Attends. Est-ce que je peux sauter aussi haut là? Ah oui, 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 oui. Est-ce que mon personnage a un nom? Ou est-ce qu'on le découvre plus tard peut-être? Le vider. Être supérieur, ces mots sont pour vous seuls. C'est moi l'être supérieur, bien sûr. Au-delà de cet endroit, vous entrez dans la terre du roi et du créateur. Franchissez ce seuil et respectez nos lois. Soyez témoins de la dernière et unique civilisation, le royaume éternel. Hallownest. C'est Hollow. D'accord. Coucou Christo, du coup. Je suis pas sûr d'avoir dit bonjour tout à l'heure. Alors. Et merci pour cet abonnement offert. C'est pratique, il y a quand même de l'éclairage public. Dirtmouth, la ville fantôme. Eh? Yolo no Tugobis. Bien le bonjour, voyageur. J'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil du temps. Tous les autres résidents ont disparu, un par un. Ils sont descendus dans le puits pour rejoindre la caverne plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sous notre ville. Il est tombé en ruine, il y a bien longtemps. Mais il attire toujours tout un tas de monde dans ses profondeurs. Richesse, gloire, illumination, ces ténèbres semblent tout promettre. Fais bien attention à toi, l'air en bas est malsain. Les créatures deviennent folles et les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses après tout. Le banc! C'est comme ça qu'on sauvegarde, non? Et qu'on régène. Pour toutes vos fournitures de cartographie, nous serons bientôt ouverts. Iselda et Cornifère. Et si je prononce mal un nom, hein, vous me le dites, parce que sinon ça va être ridicule pendant un moment. Oh! J'aurais peut-être dû aller à droite, j'ai sauté vers l'adversité direct. Route oubliée. Prononce mal mon pseudo. Quoi? Bah tu m'avais dit que c'était Los... C'était pas Loslen. Mais on s'était pas mis d'accord la dernière fois. Où j'ai oublié le bon truc quoi. On peut remonter. Dac. Dac dac. Est-ce que... Peut-être pas que je dois laisser traîner la monie, je ne sais pas encore. Ah, tu as bon maintenant, voilà, parce qu'avant je disais Loslin. Voilà, on est bien sur... Bah alors, papy? Ça a l'air d'être un jeu qui respire la joie de vivre. Hein. C'était pour la blague, ah oui, mais moi je comprends pas l'humour. Pas lui parler.
Il pleure fort, hein. Il a clairement envie d'attirer l'attention, lui, hein. Tu sais, c'est le mec... Bah, qu'est-ce qui va pas? Oh, rien. Je veux pas en parler. Bah, pleure moins fort. Oups. Bon, je pense que ça me régène si je suis à fond en je sais plus quoi. Faut qu'il arrête d'être triste. Oh, c'est vrai que c'est joli, hein. La voie du pèlerin. Les voyageurs d'Alonest, j'ai envie de dire Holonest, mais bon. Traversent les terres sauvages, verdoyantes et des bosquets de champignons pour atteindre la ville, située au cœur de ce royaume. C'est là que tous les vœux seront exaucés et toutes les vérités révélées. Ah, bonjour. Oh, la musique est évolutive. Vous lui renvoyez? Pas du tout. Très bien, j'ai compris. Plus tard. Ah, par contre, ça respawn tout le temps, hein. Donc faire le nettoyage, c'est pas forcément... utile. Merde. Merde. Bon, j'arrive pas à faire ce que je veux, mais un jour peut-être. Il y a Bouboule qui nous fonce dessus. Il va falloir apprendre le dash pour aller récupérer les petits larves. Oh. Il saute! Il y a l'air d'y avoir plein de cadavres dans le fond. Je sais pas si c'est des statues ou des cadavres. Mais... maîtrise. Ah oh, jeu de connard. Des bruits de petits cochons. Faut que j'arrête de jouer au joystick pour mieux diriger mes attaques. Est-ce qu'on a une carte? Pour le moment, non, j'imagine. Les cochons, on en a vu assez. Oui, mais non. Ah, d'accord. Non, mais les stalactites, là, c'est pas... C'est... Non, 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 non. Alt F4, quoi. Cancel les stalactites. Pourquoi il y a ça là? Ça a l'air de vous faire marrer la carte, non? Je sais pas.
bonjour Chat d'Argile. Et bonjour Crécia. Hein, si je saute sur l'ennemi, je meurs. Par contre, je peux attaquer. Mais sauter dessus, c'est pas en mode Mario, là. Ah, on a revu les trois symboles, là, au-dessus, comme dans la toute première cinématique. Temple de l'œuf noir. Bonjour, c'est un plaisir de rencontrer un autre voyageur sur ces sentiers perdus. Tu es petit, mais tu as l'air costaud. Je suis Quirrell. Tiens, tiens, tiens. J'ai une sorte d'obsession pour tous les endroits encore inexplorés. Cet ancien royaume recèle de nombreux mystères fascinants. Et le plus intrigant d'entre eux est juste devant nous. Professeur ? Un troll ! Un grand œuf en pierre situé dans les vestiges d'un ancien royaume. Et cet œuf est-il chaud, quoi qu'il en soit? Il a l'air unique en son genre. Peut-on l'ouvrir? Il y a des marques étranges partout dessus. J'aime tellement un bon mystère. Qui sait quelle autre merveille se trouve plus profondément en dessous de nous? Voici un mystère... bien mystérieux. J'ai cru que c'était lui qui allait nous faire la carte. Merci gros lion pour ton 9e mois. Je pense que je retourne au point de départ là, hein, mais... On est au point de départ. Et Pastadian également pour ton 13e mois. Vite, vite, le trophée. Le trophée Steam pour avoir cassé l'entièreté du jeu. Trophée le plus long. Wouah, j'ai tapé dans la stalactite. Salaud! Il a un gros huc. Fuck! Fuck! Non, j'avais pas vu que j'avais qu'un point de vie! Et je suis de retour sur le banc. C'est la tristesse. Porte en pierre avec une serrure simple. Voici ce qu'on avait laissé. Donc, alors, il me semble... Voilà, on a perdu tous nos sous. Il faut retrouver notre âme. Ou faut pas la tuer ou la... Il y a un truc comme ça. Elle va pas nous attaquer, cette garce. Il y a un mauvais bail de ce genre, hein. Vous verrez bien. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas non plus... Hein. Je connais quelques petites choses sur ce jeu, c'est mort. Je suis sûr qu'on était proche de le tuer en plus, là.
Bonjour. J'ai récupéré mes sous. Très bien. J'imagine que je vais revoir celui qui pleurniche, il va m'apprendre une attaque, il va m'apprendre le dash, comme ça je pourrais aller chercher celui qui est un petit peu en hauteur. Après il va me dire oui, voilà, et puis du coup, c'est ainsi que... Merci. J'espère qu'il y a un dash dans votre jeu, j'espère qu'il y a un dash. Ah mais t'as même une émote. La lettre bubule offre un sub à Miwin. Eh bien merci beaucoup. Eh mais les lampadaires, c'est quand même des petites lucioles dedans, c'est un peu cruel. Quoi? C'est tout? C'est tout? Il m'a donné deux vieux os là, je sais pas ce que c'est que cette monnaie d'ailleurs. Des coquillages. Quelle ingratitude. Merci Champitruc qui offre un sub à Crafture. Ça je l'ai déjà fait. Bonjour. Pial, bonjour. Êtes-vous venu pour explorer ces magnifiques vieilles ruines? Je parle de vos mères. Ne faites pas attention à moi. J'aime explorer aussi. Se perdre et retrouver son chemin est un plaisir, comme aucun autre. Nous sommes extrêmement chanceux, vous et moi. Je suis cartographe de profession, et en ce moment je cartographie cette région. Voulez-vous acheter un exemplaire? Acheter? Oh, ça va. La monnaie s'appelle Géo. Très bien, bah j'ai 30 géos pour monsieur. Une carte peut être une chose utile, mais elle ne peut pas à elle seule vous montrer où vous êtes. Vous n'êtes pas le... Vous n'avez pas... Si vous n'avez pas le sens de l'orientation, je vous suggère d'acheter une boussole à ma femme Iselda. Elle vient tout juste d'ouvrir une nouvelle boutique de cartographie à Dirtmoose. Avec toutes sortes de choses utiles pour des explorateurs comme vous. Elle vend même de temps en temps certaines de mes anciennes cartes. Je reviens toujours la voir après avoir fini de cartographier une région. Elle est toujours si excitée de me voir. D'accord, on est au niveau du moustique à gauche là. Ok.
Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueu là? Attends. Ah, c'est un poil trop haut. Hey-ya! Non! J'ai voulu récupérer ma pièce. Je suggère de ne pas tomber dans le sprite. Merde, il y avait des petits. Oh les salauds! Caprice Sam. C'est marrant. Il y aurait pas un petit banc pour se sécure. J'aurais dû compter combien il y avait de petits trous à verre vers le vieux triste pour voir combien je dois en ramener. Bonjour Carobobo. Attention les stalagmoutes. Non, ma Moni. Heureusement, il y a des panneaux. J'ai cassé le panneau, il n'y a plus de panneaux. En tout cas, on a appris qu'il y avait des passages secrets. Ah, cette musique. C'est la musique Six Feet Under. Il y a un banc. Ah. On peut rester comme ça. Ça peut servir de fond d'écran animé, clairement. Et ici, ça régène. Fort bien. Par contre, ça respawn. Là, on est en dehors de la map. Bon,
toute façon, il n'y avait rien d'autre. Ouais, on a commencé il n'y a pas longtemps le jeu, ça fait 35 minutes. Ah mais attends, ça... Casse-toi, toi, casse-toi. Ce panneau, ça veut dire... Régène, tu peux te poser, tu peux t'asseoir. Ou... je sais pas. Ça veut dire que c'est bien, quoi. Panneau égale source chaude. C'est là tout l'intérêt des panneaux. Ils indiquent quelque chose. Il y a un truc qui fait un drôle de bruit là-haut. C'est le dash, je l'ai reconnu. Il est là-haut. Ouvrez! Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'ai vu tout à l'heure que je pouvais faire ça. Attends. Voilà. Bon, là, je dois être tout en bas, du coup, je peux pas regarder en bas, mais... Genre... Une machine avec le symbole d'un coléoptère. Salutations, petit être. Cela fait une éternité depuis la dernière fois que j'ai entendu la sonnerie de cette cloche. Elle a retenti jusqu'au fin fond des tunnels de coléoptères pour me faire venir jusqu'à vous. Je suis vieux et fatigué, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais le son de cette cloche me fera toujours revenir. Ces tunnels de coléoptères s'étendent jusqu'au cœur d'Alonest. Si vous souhaitez les emprunter, hélez-moi de la plateforme. Je vous emmènerai là où vous voulez aller. Ah, regardez, c'est le métro. Ah, nice, on peut revenir en arrière. Très bien. Très bien, très bien. Bah, pour le moment, j'en ai pas trop besoin, je dirais. Le problème, c'est qu'il y avait plein d'autres chemins et que je m'engouffre quelque part. Bah, c'est le principe du jeu, hein. Ça pleurniche. Ça pleurniche là ou ça pleurniche là-haut? Wouah!
J'y arrive pas. Hein ? C'est fermé. Ah mais non, mais regarde ! Boum ! Ça part dans tous les sens, c'est terrible. Là j'ai fait la remontée, mais moi je voulais aller à gauche parce que je crois qu'à gauche, il y a quelque chose. Mauvaise idée de rush, mauvaise idée, très 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 mauvaise idée. Là. Bah la pauvre chenille, elle est retournée au niveau de son popa chenille. Oh merde, je voulais... J'ai pas appuyé sur le bouton d'attaque! Je voulais le choper par surprise. Ouah! Il a ouvert le passage. Il est très puissant. Son proéminent postérieur a fait s'écrouler la façade. Exactement. Tiens, tiens, tiens. On va croire que nous allons revenir par ici. Grâce au pouvoir du dash. Car il est deux en un. Ok, ok, j'y arrive plus. Grâce au pouvoir de l'amitié. Kingdom Hearts est fait de lumière. Bonjour. Yes. Faux chevalier. D'accord. Je le sais. Attends, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Merde. Je suis à l'autre bout du monde. C'était par où? C'était pas par là du tout. Si, c'était pas par là. Ah mais ça m'a remis ici, mais j'avais... Je m'étais pas reposé sur un autre banc. Attends, je me suis paumé. Non bah bravo.
Et bravo. Très énervé. Blason de la ville. J'ai eu blason de la ville et tromperie. Pauvre bête. Qui êtes-vous? Mais c'est le bout du marteau? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Revenez! Non, bon. De money. J'ai été réveillé par les cris de douleur. Oh. Alors, il est où le dash? Il est où? Tout de suite un secret. Pas du tout. Désolé de vous avoir manqué. Si vous vous êtes perdu. Ah, mais je suis de retour au moustique. Pourquoi ne pas venir dans notre magasin de Dirtmouth pour acheter une carte de cette région disponible maintenant à un très bon prix. Je suis revenu en arrière, je crois. Give me dash, 2 en 1. C'est pas ce que j'attendais. Chaman escargot. Qui est-ce qui sort de l'obscurité comme ça? Tu n'inspires vraiment pas confiance avec ton étrange visage vide et ton arme à l'apparence redoutable. Quelque chose d'important a dû t'atterrir dans les entrailles d'Alonest, mais je ne poserai pas de questions à ce sujet. Peut-être que la raison pour laquelle tu as réussi à me trouver est que tu as besoin de mon aide. N'en dis pas plus, mon ami. Je vais te donner un cadeau, un vilain petit sort de ma propre création. Cela sera tout simplement parfait pour un petit être comme toi. Puissance.
Tiens, tiens, tiens. Esprit vengeur, appuyez rapidement sur B pour libérer l'esprit. Les sorts consument l'âme, régénérer l'âme en frappant les ennemis. T'es enfin réveillé, je te présente toutes mes excuses, j'aurais dû te prévenir du pouvoir de ce sort. J'ai veillé sur toi pendant que tu dormais, mais je me suis endormi aussi. Maintenant que nous sommes tous les deux réveillés, je me demandais si tu m'accorderais une petite faveur. Bien sûr, cela n'est pas pour me rembourser mon cadeau, non, mais simplement parce que nous sommes amis maintenant. Ça sent le plan Hux, son truc, ça. Il existe une épouvantable et énorme bête qui s'est établie au cœur de ce temple. Quel manque de respect. Je te serais très reconnaissant si tu pouvais t'aventurer un peu plus loin là-bas et la tuer pour moi. C'est une créature robuste, mais avec ton nouveau pouvoir, tu devrais largement pouvoir faire le poids contre elle. Bonne chance, mon ami. Alors, j'ai balancé un power, mais ce n'est point un dash. But ancestral. Une espèce d'attaque à distance. On ne vit que pour le dash, mais bien sûr, ça change toute l'exploration. Bon, peut-être pas le donner dès le début du jeu, sinon tu t'habitues à la facilité de dasher. Marche sur nos morts. Non, c'est des masques, c'est pas des crânes. C'est sûrement des masques. Des gros galets. Bonjour, Kerold. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ah, ça me recharge mon power. Très bien. J'ai eu un peu peur pour rien. J'ai surréagi. Bon, casse-toi. Oh, il y a des cœurs bleus céruléens. Ah mais les cœurs bleus céruléens s'échappent. C'est vraiment sympa. Bonne ambiance, quoi. Eh, merci, hein. Charme récupéré. Capture âme. Équipez un charme pour activer ses puissants attributs. Pour équiper un charme, ouvrez le menu charme pendant que vous vous reposez sur un banc. Oh. Ah, voilà, donc j'ai déjà eu un charme tout à l'heure, non? À
Ah bon? Bah, je sais pas, j'ai eu un truc tout à l'heure qui ressemblait au même menu, c'est pour ça. C'est bon, j'ai tué la créature? C'était ça ton truc? Ah bah dis donc, ma vieille. Facile. Tu as tué la bête, cette pauvre bête, elle a dû être terrifiée de toi. Elle était assez docile auparavant, mais l'air rance de ces cavernes l'a rendue enragée. Toujours est-il que tu as fait ce qu'il fallait faire. Je t'en suis reconnaissant. Bien sûr, nous savons tous les deux que tu n'aurais jamais survécu sans le sort que je t'ai donné. Hein. Je te libère. Regarde ça, la porte entre nous est ouverte. Je suis sûr que tu as hâte de poursuivre ton chemin. Adieu et aie confiance. Peu importe ce que tu cherches, ça te trouvera. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Ah, du coup. Pour équiper un charme, appuyez sur le menu charme. C'est quoi le menu charme? C'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est la carte. C'est... Le menu charme, c'est... Select. Ouais. Select, moi j'ai pas... Ça, c'est select. Oui, j'ai trouvé! Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Select, attendez, on parle en touche PlayStation, mais... Après la PS3, quand même. C'est le bouton... Cher. Enfin bon, personne ne s'en sert, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, regardez ça, j'ai tout un inventaire. On a la carte, on a les charmes. On a la carte, on a le blason de la ville. C'est ça que j'avais récupéré, non? Dalle de pierre arborant le blason de la capitale. Il y a une attache au dos qui permettrait de l'insérer dans une fente. Là, on a nos powers. Notre arme, vieux aiguillon. Peut-être moyen de l'améliorer. Là, on sait pas, là, on sait pas. Et là, on a notre premier charme qui coûte 2. Très bien, un charme utilisé par les chamans pour puiser davantage d'âmes du monde qui les entoure. Augmente la quantité d'âmes régénérées. On attend encore un ennemi avec l'aiguillon. Je l'équipe. Du coup, ça prend 2 bulles sur 3. Pour le moment, je peux en équiper que 2, mais j'imagine que si les 2 coûtent 2 bulles, bah, je pourrais pas les mettre. Très bien. Bah, la map est pas plus complète que ça. Bien, bien, bien. Ça fait le tour, ça. Ah oui, ça, c'est le raccourci que j'ai ouvert. J'avais sûrement des trucs à explorer de l'autre côté, mais j'ai envie d'aller taper le monsieur qui m'avait craché dessus. Merde. Il y a du sprite. Là, les plantes. Peut-être que plus tard on pourra aller dans le sprite. Ah, j'aime trop là, c'est bien. Ah, t'as eu le Mew Gold, fan de jeu, félicitations. Vers chemin, bah, ça porte très bien son nom et ça semble être tout à fait la suite du jeu. Coucou toi, t'es mort. Non,
D'ailleurs, en parlant de Mew Gold, j'ai peut-être un drama pour vous bientôt. Parkage m'a dit qu'il m'envoyait encore un petit colis, plus petit que la dernière fois, contenant des sleeves. Sauf que ces sleeves, c'est des trucs spéciaux. En fait, si tu mets tes cartes dedans, tu peux les foutre dans l'eau. Elles vont être protégées, quoi. Elles sont pas comme ça, tu vois. Du coup, je pense qu'on va faire un gros drama. On va tester ça. On va tester ça avec Mew Gold. J'espère que ça va marcher. C'est mignon par ici. Je vais me faire bouffer. Ah, je l'ai vu trop tard. Est-ce qu'on peut le tuer? Tiens. Tout ça pour l'audimat. Ah mais attendez, là je prépare ma miniature YouTube en mode... Putain, je me mets dans l'eau là comme ça. La carte à moitié dans l'eau. Oh my god, il plonge le Mew dans l'eau. Ça tourne mal. Ah mais non, je suis revenu ici. J'ai perdu 10 000 euros dans cette vidéo, c'est pas mal comme titre ça. Quelle est la marque de classeur que tu utilises ? Une seconde. Attendez. C'est TC Safe. TC comme les lettres et Safe comme safe. Et après, j'ai pris ça, mais il y a peut-être autre chose. Hein. C'est le truc Amazon. Alors, voici... Silk Song. Alors, je sais pas si c'est le nom du jeu ou si c'est le nom du personnage. Hornet. Personnage probablement important si ensuite elle a son jeu. Bim! Non, je suis allé trop tôt.
de sprites. On ne peut pas aller à gauche. Il nous faudra le double saut ou bien le dash. Allez. Splotch. On est à 1 heure pour YouTube. Encore un petit peu, on va faire des rediffs un peu plus longues. Parce qu'à mon avis, le jeu, il est lent. Merci Étoile pour ton Prime. Bienvenue. Ça c'est plutôt pour revenir en fait. Gaz, ouais. Ah! La carte est proche! Le danger. Cet endroit est un véritable contraste. Comparé aux routes oubliées, si humides et animées, ces routes sinueuses sont une merveille. J'ai fait de mon mieux pour cartographier cet endroit, mais je dois bien admettre que certains des habitants de cette région se sont avérés être une véritable nuisance. Ah, ça coûte de plus en plus cher. Bonjour, Lysna. Et merci pour ton 7e mois. Non, c'est ton 8e mois, dont 7 consécutifs. Par contre, j'entends chouiner, mais je peux pas y aller. La bande-annonce de Have a Nice Death, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est pas... Si, si, ça ressemble à fond à Hollow Knight, non? Oui, c'est ça. Si c'est mignon, il faut le tuer, hein, c'est important. Chasseur. Petit verre, vous approchez sans peur. Êtes-vous un chasseur comme moi? Éprouvez-vous le besoin de traquer, de tuer et de comprendre toutes sortes de choses? Prenez-le, mon journal, cela pourra vous aider. À première vue, le texte semble compliqué à déchiffrer, mais un chasseur expérimenté peut en comprendre les mots. Parcourez les profondeurs de cette terre et tuez les bêtes qui s'y trouvent, montrez-vous digne
de porter la marque du chasseur. C'est le Pokédex. En vaincre 15 pour déchiffrer. Ah ouais. Triste et pitoyable, mérite à peine d'être tué. Nous laissons tous une trace de notre existence quand nous mourrons. Une tache dans le monde. J'ignore pendant encore combien de temps ce royaume pourra supporter le poids de tant de vie passée. Ok. Très bien, très bien. Il me manque un seul mob à trouver et tuer. Je sais même pas qui c'est qui me manque, c'est terrible. Ah, il y avait le boss, ouais, j'ai pas fait attention. Attends. Il est où le faux chevalier? Un ver rendu fou par une force étrange, il vit dans une carapace cuirassée qu'il a volée. Les créatures faibles adorent s'approprier la force des autres. Elles vivent une courte vie et sont rongées par la peur. Elles aspirent uniquement à vaincre ceux qui veulent les dominer, qui voulaient les dominer. Ah, c'est pour se recharger ça. Non, non, mais oh, casse-toi. Le sprite, je l'ai vu trop tard. Non, ça y est, c'est les catastrophes. Run. C'était du sprite zéro. Ceux qui s'éloignent des routes du roi blanc doivent faire face à la loi Dun. Très bien. C'est le lore. Oh, un petit banc de pierre. Parfait pour YouTube, ça. Ah, YouTube. À bientôt. Je sais pas, peut-être que je ferai des VOD plus longues après, mais disons que pour la première, on va éviter de proposer un truc de 8 heures direct. Donc, ce sera peut-être plus agréable. Des bisous à toi, on continue... On continue tout ça.